on se demande ce qui nous arrive. C'est le col le plus dur de l'étape. J'avais des appréhensions en fait avec la route. Les conditions météorologiques n'étaient pas du tout sympathiques. J'espère qu'on va pouvoir redescendre. C'était dur, c'était vraiment très dur. C'est une découverte de soi. C'est un challenge qu'on se fait personnellement. On a choisi d'être là. Et le stage nous révèle à cette difficulté. On est rentré sous la grêle. On est rentré sous un bel orage. La descente d'hier sous la pluie a été la plus difficile. C'est dur, c'est peut-être pénible. Face à cette dureté, ça appelle aussi le plaisir qu'on peut avoir derrière. Il y a un effet de groupe et qu'on va tous y arriver à faire cette étape malgré les difficultés. On a quand même un sacré confort visuel quand on arrive au-dessus. J'ai eu des moments durs et le plaisir à la descente. Et c'est un moment de liberté sur le vélo. C'est là où on sent un peu le plaisir de la glisse. Ce stage m'a vraiment permis d'avoir certainement des bonnes habitudes, une bonne pratique. Je me sens confiante pour l'étape du Tour. Le stage m'a vraiment fait comprendre les difficultés quand même de l'épreuve. Ça, c'est clair. C'est une vraie découverte et c'est du partage avec les autres, donc c'est génial. Bah, je voulais remercier le groupe. Je me sens vraiment chanceux de pouvoir participer à ce stage. Et je pense que j'en garderai de très très bons souvenirs toute ma vie.